What's up les gamers, c'est Maximus Gaming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez inutile comme vous l'avez vu dans le titre, puisque nous allons tester 9 applications que je... 9 applications inutiles, plutôt nulles, qui servent à rien du tout, que j'ai choisi au hasard d'un Google Play, donc je les ai jamais essayées, sauf une qu'il me semble que j'ai déjà essayé. Donc voilà, on va démarrer tout de suite, c'est parti. Alors on commence tout de suite avec une application qui s'appelle Inutile. Ça le dit dans le titre, c'est inutile, c'est d'avoir téléchargé cette application. Effectivement, il s'agit de l'application la plus inutile de Google Play. On trouve sur ce market une quantité incroyable d'applications servant à tout, selon la description du moins. Mais ne faisant rien. Eh bien, pour changer, voici enfin en exclusivité la première application qui remplit entièrement sa fonction et ne possède absolument aucun dysfonctionnement. Il est écrit qu'elle ne servait à rien et elle ne servira à rien. Si vous lui trouvez une utilité, totalement impossible, n'hésitez pas à appeler notre service clientèle et on vous remboursera 10 fois votre prix d'achat. Et le prix d'achat, c'est en fait c'est gratuit, donc pas remboursé. Si elle ne sert à rien, pourquoi l'avoir créée? Parce que malgré son inutilité, il y a toujours des gens qui vont la télécharger, dont vous. Et qu'il n'y a qu'à regarder des commentaires sur Google Play pour voir que celle-ci a plu à beaucoup de gens. Aïe, si ces gens l'aiment, c'est que ça devient finalement utile et nous tombons dans le paradoxe. Quoi qu'il en soit, merci à vous et surtout n'hésitez pas à montrer à tous vos amis que vous avez téléchargé une application inutile. Moi je le montre à YouTube, à mes abonnés. Surtout, si vous souhaitez vous faire valoir un statut de geek, auriez-vous les tendances cachées? Peut-être il est temps de rester votre geek et sur geek et des... Ouais, ok. Donc, ça termine avec merci à vous d'avoir inutilement perdu du temps pour moi. Et n'hésitez pas à poster un commentaire sur l'Android Market, je préfère ce nom à celui de Google Play. PS, si cela ne vous a pas plu, ne vous plaignez pas, car vous étiez prévenu. Il était clairement mentionné qu'elle ne servait à rien. Considérez-la plutôt comme un jeu et évitez, s'il vous plaît, c'est les insultes. PPS, ok, je reconnais qu'elle est un tout petit peu utile, mais pour moi uniquement. Il y a une minuscule bannière publicitaire juste dessous. Mais c'est tout. D'accord, on va essayer. Est-ce qu'on peut y aller ? Oh merde, j'ai compris. Ça c'est l'application, voilà, on peut plus... y a rien d'autre. Y a rien d'autre, c'est tout. Ça c'est l'application. Le texte que vous voyez là, c'est l'application. Ok, on passe au prochain. La prochaine application s'appelle Useless Button, donc bouton inutile. Warning, this button is useless. Donc attention, ce bouton est inutile. On clique. Attention. Waouh, je suis en train de perdre mon temps à faire cette vidéo, c'est incroyable. Ça, c'est l'application tellement inutile. Le mec, il fait une application, on rentre dedans, ça fait warning, this button is useless. T'as un bouton, tu cliques dessus et ça fait rien. Voilà, c'est tout. Ça, c'est l'application 2. On passe à la suivante. La troisième. Alors, la troisième, c'est elle que j'ai déjà fait. Ah, ça me dit rien en fait. J'ai peut-être pas déjà fait en fait. Ok, donc on arrive ici, dans un vieil ordinateur, donc genre Windows XP, dégueulasse. Bonjour. Et là on a une erreur.
Reset is not accessible. Access is denied. Ok. C'est une blague. Il y a vraiment des pubs dans une application comme ça? C'est incroyable. Ok. Ah, ça recommence. Je peux cliquer n'importe où, ça en apparaît. Oh, l'application la plus inutile du monde, les gars. Oh my god. Seulement, comme ça, on serait dans un ordinateur, on a erreur, et puis, bah, c'est jusqu'à l'infini, voilà. C'est comme le bouton. Donc, c'est juste, ça peut en apparaître plein de fois. Le bouton, bah, c'est... Je clique dessus, c'est tout. Là, on peut s'amuser à faire ce qu'on veut. Comme... Ok, on change d'application directement. Je déteste Chevrolet. Allez. La quatrième application s'appelle App Inutile. Donc, encore un truc avec le mot inutile dedans. App Inutile. Non, t'es pas sérieux. Oh, what? J'ai cliqué, qu'est-ce qui se passe? Je la clique, attention. Oh, oh, regardez. Ouh! Oh la merde! Oh les gars! Mais non. Ouh! On peut la faire bouger. Voilà, la faire tourner, et puis ben. Là, il est rendu à l'envers. Hop, on clique. Hop. Sentier. Ok, bah écoutez, je crois que je vais changer d'application parce que, bah, en fait, ça me saoule. La cinquième application n'a pas le mot inutile. Excusez-moi. N'a pas le mot inutile à l'intérieur. Il s'appelle plutôt Nutsloss. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Et ce. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. De quoi? Qu'est-ce qui... What the... On clique. On clique. Aucune application utilisée. Ah oui, il y a celle-là, là. Je clique dessus. Les gars, si c'est vraiment ça l'application, genre que c'est une application qui se trouve et qui se referme automatiquement. GG au créateur, c'est incroyable. Oh my god, si c'est vraiment ça... Waouh, ça c'est vraiment de la merde. Vraiment, le mec qui téléchargea, qui télécharge cette application, genre moi, y a vraiment rien à foutre. Ça sert complètement à rien. Tu peux même pas ouvrir l'application, y a rien dans l'application. C'est vraiment inutile. C'est la plus inutile, je dirais, que de toutes. C'est même pas d'application tellement. Genre, tu télécharges, mais y a rien. Tu télécharges quelque chose dans le vide. Parce que c'est rien. Ok, on change d'application. Excusez-moi, ma voix est... Ah, excusez-moi. On change d'application, on s'en va avec l'application qui s'appelle Useless, donc inutile en anglais. C'est inutile. Ok, nous avons un bouton comme ceux de Samsung, les paramètres. Oh non. Non, c'est comme le Useless Button, mais ça c'est un truc comme de... Bah... Bah, vous connaissez de Samsung. Voilà, sauf que là il est rose. Et puis bah, tu fais juste ça. C'est seulement ça. Tu peux le faire danser. Waouh! Oh my god! Mais il y a tellement d'applications inutiles. Et si vous voulez, je pourrais en faire une deuxième vidéo. Ok, la prochaine application s'appelle Useless Game numéro 1. Be Passion. Donc c'est un petit jeu. Inutile. Excusez-moi. Bon, ok. Ça l'a bugué un peu. Donc, c'est un jeu inutile. À voir immédiatement. Il faut être patient. Ah, il faut que je me connecte. D'accord. Ok, donc, désolé si ça va bouger un peu pour la caméra, la facecam. Mais bon. Ok. Donc, Useless Game numéro 1. Donc, il y a plus d'un jeu comme ça.
Be patient. Start. Okay. Press at the button below and hold it at as long you have patience. Oh my god. Je crois que c'est juste ça le jeu. Hein. Il faut tenir jusqu'à temps qu'on n'a plus envie. Ok, bah les gars, c'est parti. Go. Ça va vite. A few moments later. Incroyablement inutile. Incroyablement inutile. Bah, y a une petite utilité. C'est qu'on peut voir comme on est patient. Mais c'est vraiment nul à chier. Je l'avoue, bien sûr. C'est nul à chier. Qu'on arrive bien sur 500. Ça me pique. 2000 years later. Oh les gars. Waouh, on est arrivé à 1000. Je crois qu'un jour j'aurai pas le choix. Je pourrais peut-être tenir plus longtemps, mais je crois que j'aurai pas le choix d'arrêter parce que sinon la vidéo elle sera beaucoup trop longue. Genre, ça va prendre toute ma place, tout mon stockage. Ah, c'est long. J'imagine pas vous, ça prend 2 secondes, mais moi, y a pas de coupure. Pour moi, y a pas de coupure. Je reste comme ça. Se passe rien. Toujours à venir. En tout cas, à tout à l'heure. One eternity later. Ok, les gars, on y est presque. Attention. On va arrêter, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Oh non, j'ai arrêté à 99. Mon pouce commence à être aplati. Game over. Be more passion next time. Hey, hey, hey. Ça fait combien de temps que je fais ça, je sais pas. Your score. 2499. Menu. Et puis après ça, on peut voir Noël score. Ah non, les autres. Ah, le deuxième, c'est quoi? Ah, tu vois. Tous. Ah, voilà, non, attends, on sait même pas c'est quoi le jeu, le deuxième. On va aller voir le premier, tous. Attention, on va voir des records genre de malades. Les gars, ils ont genre tenu... 2 millions, je sais pas. Attention. Ok, 20 000 quand même. Bah quand même, c'est vraiment long comment ça monte. Je me suis juste rendu à 2500. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Oh! Oh les gars, on est 12e! Oh, on est 12e! Ah, yeah! Sur, je sais pas combien, mais il y a plusieurs personnes quand même. Ah, y en a qui sont... Il y en a qui sont pas du tout patients. Il y en a qui... Comment il a fait pour avoir... Hein? Non, mais... Ce-là, il... C'est juste une blague. C'est une blague, 30. Il a juste fait... Tac, tac. C'est juste impossible. Il s'est pas forcé. Et eux autres, ils ont juste installé l'application. Et lui, je sais pas comment il a fait pour avoir un. Il a juste cliqué comme ça. Bah, quand même, on est 12e sur 75. C'est pas mal. C'est pas mal. D'accord. Bon, eh bien, on va changer d'application. Ah, c'est parti. Et voilà, on est remplacé. Et on va à la prochaine application. The Useless App. Donc, l'application inutile. Ah, ça charge. Je sais pas si ça va arrêter de charger ou quelque chose. On va essayer le useless button.
Bah... Tu vois les trois petits points là. Je suis inutile. On clique dessus. Ok. D'accord. Genre t'as les boutons trois petits points. Avec le... D'habitude t'as tous les boutons avec les fonctions. Et ça c'est comme... Ce bouton là, bah, il est inutile. Ce bouton là, il est inutile, ça fait rien. Et t'as le logo qui charge, qui ne fait rien. Hi, I'm useless. Ah c'est bien. Non c'est bien, c'est une bonne idée. Plein de genre, il y a 3-4 trucs inutiles en même temps. Non c'est pas mal. C'est une application inutile, pas mal. Bizarre à dire, mais c'est vrai. Donc vous pouvez voir que le logo chargement, il chargera jusqu'à l'infini. Donc on va changer d'application pour la dernière de tous, qui s'appelle Useless App. Donc encore une application qui s'appelle le même genre. Useless App. This is just a useless app. Excusez-moi. Wanna access? Click button below. If you lucky, you can find out this app. It is not too useless. Enter. You won't lucky here. You won't lucky. You can try more with the button below. Bah oui, mais c'est ça que je fais, t'es con. Please exit. You have nothing to do here. You waste your time. I know. You click that button 6 times. 7 times. 8 times. Don't click again. You won't look here. You can easy to use this app by add a widget. Try swear. Won't look here. Il y a plein de trucs qui reviennent. Don't click it again. 19. D'accord, c'est vraiment inutile. Et donc ils disent, est-ce que si tu as de la chance, bah, elle pourrait ne pas être vraiment inutile que ça, mais en fait, tu peux pas avoir de la chance, c'est impossible. Tu juste cliques sur le bouton et puis il apparaît plein de trucs comme ça. Voilà, donc ça se termine jamais. Et je crois qu'on a tout vu les dialogues. Donc voilà, on a terminé, on a tous essayé toutes les applications. Et voilà, sauf elle, à moins que ça soit vraiment vrai. Les gars, c'est vraiment bizarre. Ensuite, elle est même pas là. C'est bizarre. C'est peut-être qu'elle est fait comme ça. Donc, si c'est vraiment fait comme ça, c'est l'application la plus inutile. À ne pas télécharger, s'il vous plaît. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux liker la vidéo. T'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça ferait vraiment plaisir, ça serait cool. On est à 207 abonnés en ce moment que je tourne cette vidéo, c'est vraiment cool, continue comme ça. Et si vous voulez une autre vidéo du genre, premièrement cliquez sur j'aime, donc je vais voir que vous aimez ça, donc voilà. Et vous pouvez en laisser un commentaire, donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo, et... Ciao, ciao.